Ici, on est sur la commune de Dammartin-Marpin. Les paysages, c'est plutôt de la plaine, autour de la ferme dominance herbe. Et on est aussi pas mal entouré de forêts. Bah, l'exploitation, on a donc principalement une production de lait donc destinée au comté. Pour les vaches laitières, c'est de la Montbéliarde, naturellement, pour le cahier des charges du comté. Donc le CAUE, on avait eu contact pour la première fois en 2012 pour la construction du bâtiment suite à l'installation d'Anaïs. Et là, on avait donc rencontré le CAUE qui nous avait, on avait déjà une orientation pour un bâtiment bois. Et on a donc confirmé cette orientation, et puis avec des bardages bois, avec une structure bois, pour essayer d'avoir une insertion au niveau du paysage optimale. Ce n'est pas que de l'esthétique, mais aussi, il y a aussi le fait de l'importance du bâtiment. On a un bâtiment qui fait 1500 m², donc c'est quand même des dimensions qui sont quand même autres que les précédents bâtiments à structure métallique qui étaient construits auparavant. L'esthétique joue beaucoup dans une construction bois, et il y a aussi l'ambiance du bâtiment pour qu'au niveau sanitaire du troupeau, éviter donc le bois, ça évite les condensations, ça évite cette impression de froid quand on rentre dans un bâtiment. Une exploitation qui n'évolue pas, c'est une exploitation qui meurt. Il faut être toujours à la pointe de l'évolution de la technologie pour que l'exploitation ait le maximum de chances de passer le cap, quoi. On regrette un petit peu ces remembrements qui ont fait disparaître bon nombre de haies et bon nombre de bosquets. On essaie de faire des efforts. On essaie aussi de partager le paysage avec ces personnes qui arrivent sur les communes et tout. Ben, on essaie de toujours, c'est pas de tenir la ruralité, c'est essayer d'apporter notre bon sens paysan pour vivre dans nos campagnes comme on doit vivre dans une campagne, on n'est pas en ville.